Et bonjour à tous, au chapitre, on se retrouve pour ce troisième épisode de Farthest Frontier. On s'était arrêté, bon gré mal gré, la construction de notre premier champ. Donc, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Tout simplement, déjà, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent. Bon, on pourrait faire du blé. Sauf que pour faire le moulin à vent, il faut une pièce que je n'ai pas. Donc c'est emmerdant. On va plutôt regarder. Ah, tiens, on a débloqué plein de choses encore. Camp de travail. Argilière, mine de fer. Non, ok. Sablonnière, rucher. Ok, intéressant. Mais nous, on va faire du lin déjà pour faire des vêtements. Alors, on va faire ça. Alors, comment fonctionne le champ? On va peut-être pas faire une vidéo de 20 minutes sur un champ, mais quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que. Tac. En fait, vous allez avoir plusieurs cycles en fait, sur votre champ. Donc vous pouvez faire tout le temps la même chose, hein, mais le problème c'est que. Ouais, si je fais là, ça va pas de la merde. Voilà. Donc en fait, chaque plantation a des caractéristiques sur. En gros, ce qui va se passer sur la terre après. Donc là, typiquement, si je plante que du lin. Donc l'hiver, c'est bof bof. Rendement de la culture, pas terrible. Résistance. Pardon, à la chaleur, top. Mais par contre, suppression des mauvaises herbes, pas terrible. Taux de croissance, bon, à la limite. Impact sur la fertilité, moins 3%. Ce qui fait qu'au final, si je fais que ça, ma terre sera plus fertile du tout. Donc, pour éviter ça, ce qu'on va faire. C'est qu'on va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une plantation. Mais alors, je sais pas ce qu'on va prendre. Un truc qui remet un peu de. Des. Ouais, mais trèfle, faut pas rien en faire en fait. Il est métat. Ouais, tant pis, on va faire ça. Ça supprime mauvaises herbes. Derrière, on peut refaire. Pardon. On va faire du blé quand même, histoire de commencer à stocker. Du coup, mince. Derrière, on va renettoyer le champ. Et on va refaire des petits pois. Les haricots, pardon. Voilà, donc ça, c'est notre cycle de culture qui, mine de rien, est quand même assez important. C'est pas un truc à prendre à la légère. Et voilà. Je réfléchis en même temps que je parle, donc ça ne veut rien dire. Je me demandais si il serait pas judicieux de commencer à faire de l'argile. Parce qu'en fait ici, bon, j'ai débloqué un tas de trucs, hein. D'ailleurs, on va faire un rucher. Alors, le problème du rucher, c'est que il faut que ça soit un peu dans la nature. Alors, faut qu'il y ait des fleurs, quoi, en gros. Faut qu'il y ait des fleurs. 67. Bon, après, on n'a pas besoin non plus de 10 000. Normalement, si on en met un à côté des plantations, ça marche plutôt bien. Et on va en mettre un là. Ah, mais dis pas que j'ai plus de pierre, sans me déconner. Sans me déconner. Voilà. Donc, on va faire un petit tour au niveau des. Provisions, nourriture, on est fine, on a un an d'avance. Matériaux bruts, c'est pas bzf. C'est même pourri. C'est même complètement pourri. On va essayer de refaire un peu de chasseur pour plus de peau parce que là c'est pas foufou. On va mettre un chasseur ici.
Ah, et là, apparemment, là, ça chasse là. Ça chasse, mais une pente de mort. Et par là, il y a quoi? Il y a du sanglier par ici. Bon, on verra bien. Il va tranquille, tranquille. Les gens qui font du bois brûlé, c'est où, c'est là? Alors, on va en mettre deux. Parce que là, avec un seul, ça va être... Ça va pas le faire. Pas le faire du tout. Ok, bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Est-ce qu'on ferait pas la loge guérisseur? Ah, il faut quand même de la fucking argile. Ok, bon, on va faire de l'argile. Allez, c'est parti. Il faut trouver de l'argile. Oula, oula, ça galère un peu. Ça galère un peu, ça galère un peu. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Le jeu est vraiment pas optimisé, hein, franchement. Ça, c'est vraiment un point d'amélioration. Plus que certains. Par contre, ouais, j'ai pas d'argile et ça va être un peu emmerdant, quoi. Il me faudrait de l'argile. Vraiment que j'en ai sous les yeux et que je ne le vois pas. Ce qui est possible. Hein. Bon, quand même, ça se voit, quoi. Bon, alors, je vais faire un gros truc d'exploration. Alors, l'argile, est-ce qu'il n'y a pas un truc pour un filtre, là? Il a disparu, le machin. Bon, on va accélérer pour passer l'hiver parce que là, je vois rien que la neige. De toute façon, ça va. Un peu la merde. Oh, votre colonie a besoin de plus de logements. Ouais, il... je sais, je sais, je sais. Je sais. On va en faire 3, pas trop non plus. Il y a les cochons. Il y a les cochons. Bah, c'est ouf, il n'y a pas de puits d'argile. Hein. C'est la merde. Ouais, y a pas d'argile, il n'y a pas d'autres myrtilles, ok. Pas fou. Pas fou, pas fou. Il y a quand même pas mal de trucs hein, là-bas. Derrière la montagne. Ah, minerai de fer là. Alors, on a des minerais ici. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai pas besoin d'aller en chercher trop loin. Ça arrive. Hein. Bon, par contre, l'argile, à un moment donné, il va falloir. Parce que. C'est un peu embêtant. Cabane de cueilleur, il y a l'air d'avoir masse truc ici, mon dieu. Mais ça ne me dit toujours pas, il y a de l'argile, donc on va re-explorer. La carte est immense, hein, ça faut vraiment en avoir conscience. Ah, j'en ai là, c'est bon. Si beau, j'en ai trouvé. Allez hop, on va faire ressources. C'est les... Ah oui d'accord. Bon on va le faire comme ça. Et je pense qu'on va faire une route parce que c'est super loin. J'ai jamais essayé les routes en dessous des ponts. Ah, il n'y a pas de pont. Okay.
serait con. Avec les routes, franchement, c'est vrai que c'est pas mal, l'outil quand même plutôt bien fait. Vous galérez pas trop à faire vos routes, y a pas, enfin, moi je trouve que c'est plutôt aidant comme outil et non pas pénalisant comme sur certains jeux où en fait on galère à faire des trucs, mais c'est ouf. Et puis de bois, shit. Oh shit. Bah, par contre, il y a trop d'arbres ici, donc bah, clairement ça dégage. Hein, voilà. Quoique. Oui, allez. Soyons fous. Donc là, direct, bam, ils vont faire le truc avec l'argile. Top. Ici, on a un autre petit rucher. Pas du miel, vous voyez. Pas du miel, oui. Du coup, je ferais bien une petite ciergerie. Allez, feu. Ah non, parce qu'il me faut des trucs. Fuck. Fuck, oh, fuck, oh. Ça, j'ai fait normalement ça. Normalement j'ai fait. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Pour l'instant on peut rien faire en fait. Tant qu'on n'a pas l'argile, on est un peu bloqué. Je réfléchis. Service c'est mort. Voilà, on pourra faire une maison à la limite. Comment ça il n'y a pas d'eau là? Ah il n'y a pas d'eau ici? Fuck. Ressources. Faire un puits. Ouais, enfin bon, abusez pas, vous avez un. Vous avez la flotte à côté, quoi. Qu'il n'y a plus de bois, hein. J'ai plus d'ouvriers? Bah, j'en ai 12, mais ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Ah putain, ils vont enlever ça, oui, parce que ça bloque. Fuck. Ah, c'est le feu. Donc là, vous voyez, quand il y a des feux, ils prennent leur petit seau et hop. Ils brandissent des seaux. Des seaux d'eau. Bon, là, apparemment, ils passent aussi à travers les flammes. Et tout le monde y va, là. Il n'y a pas, y a pas à chier. Voilà, maintenant, tout le monde a son petit seau d'eau. Tout le monde repart avec. C'est magnifique. Ah là, je commence à avoir des maladies. Et là, c'est la merde. Et là, c'est la merde. Donc, il me faut l'âge du guérisseur. Il me la faut absolument. Au centre du village, que je ne pourrais pas. Parce que, comme un débile. Ah, attends, il n'y a pas un truc là? Ça fait aplanir. Autant dire que là, ça va en couper de l'arbre. Rasez-moi cette forêt! Non, mais en fait, l'idée, ça sera ouais, d'avoir. Alors, je sais pas, mon champ, qu'est-ce qu'il y a dans mon champ? Ouais, donc là, voilà, hier, on a déjà fait un cycle entier presque. Enfin, non, on est au deuxième cycle. Donc c'est-à-dire que normalement on a un peu non bon le lin il s'est barré le lin est déjà il a rien donné je sais pas c'est con. Voilà donc là c'est un peu plus plat donc je vais pouvoir construire. Ok, nice.
Pas du tout. Pantitroade. Vous foutez de ma gueule? Refaites-moi ça plat. C'est plein quand même, ah là là c'est plein. En fait on peut faire comme ça en fait. On va aplanir, on va motiver le terrain. J'aurais pu faire ça avant quand même, hein. Mais bon. Voilà. Présente 6 hangars. Là il n'y a plus d'arbres, voilà. C'est la merde. Comment ça, deux cultures? Ah putain, j'ai un truc. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans, là? Barrez-vous! Oh la vache. Ça, c'est vraiment l'enfer. Barrez-vous de mes champs, s'il vous plaît. Putain, je vais être relocalisé parce que visiblement, t'en as rien à foutre. Ah ouais, ils sont en train de bouffer tous les trucs, mais butez-les dans d'autres jeux, là. Mais... mais y'a pas de barrière. Y'a plus de barrière. Oh putain. Ok, bro. C'est la merde. Barrez-vous de mon champ. Déjà, j'ai mis 105 ans à le faire. Vous allez vous barrer de mon champ. Ouais, la foule locale, elle est là. Elle est relou. Cherche des armes. Super. Cherche des armes. Allez, cherche des armes, mec. Mais barrez-vous du champ, sans déconner. Ah, je suis en dépression, là. Ils sont en train de tout bouffer. Mais virez-les du champ. On peut pas les attaquer. Allez, go, on les attaque, là. Vas-y, on y va, 4-5. Ah, il se barre. C'est bon, il se barre. Est-ce qu'il y en a un autre? Ah, et non, il y a une contre-attaque. Saloperie. Putain, ils sont pas trop bien. C'est dur, hein. C'est dur. Il revient, il en a rien à foutre. Bah oui, il vient bouffer. Oh non, de Dieu, ça va gueuler. Chope des mecs, là. Et venez me finir ces trucs là. Ils viennent pas. Priorité. Non, c'est marrant. C'est que t'arrives. Ouais, ça galère un peu. Sauvegarde. On se fait attaquer par les trucs quoi. Mais il me la ken. Oh my god. Il me la ken. Il va crever. Personne vient l'aider. Il meurt dans... Ok. Un sanglier qui m'a tué un paysan. Je suis content. Normalement, je suis... Là, je suis bien, bien content, là. Allez, j'en ai des inoccupés en plus, hein. Faites-moi de l'argile parce que j'en ai besoin à mort.
putréfaction, carrément. Ça fait putréfier, belle nom. On peut pas virer le truc, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé là, pourquoi j'avais des trous dans la barrière. Nous c'est, nous c'est, nous c'est. Bon, du coup, on n'a pas beaucoup avancé. On a une loge de guérisseurs qui est bientôt là. On a quoi? On a du coup le champ. Bon, le champ quand même, les cultures. Bon, là, on va récupérer les cultures. Voilà. Ça nous fait un peu de blé qui va ne servir à rien. Qu'on peut pas construire. D'ailleurs, je vais virer. Je sais pas pourquoi j'ai fait du blé. C'est nul en fait. Complètement con. On va plutôt faire de la bouffe en fait. Voilà, c'est bien ça. Parfait. Voilà. Bon, ben, les amis, on va s'arrêter là. Donc voilà, c'est un petit épisode court, 20 minutes, hein, c'est ce qu'on s'était dit. On avance doucement mais sûrement sur Fortress Frontier. Et je vous dis au prochain rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, prenez soin de vous, ciao.